Salut, c'est Selskavang pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo top. Donc là, vous devrez me dire, pour toute ma communauté, pour tous mes abonnés qui me suivent, what? Alors en fait, je vous explique que ça fait un petit moment que j'avais envie de faire des tops, surtout par rapport à des choses qui me plaisent. Et en fait, la série Ceux que comprennent les Français m'a donné envie de faire des tops en fait par rapport à des intros. Parce que j'ai envie, pour ce qu'on prenne les Français, de faire des intros sur des intros de jeux comme les Dragon Ball. Mais comme vous avez vu pour Budokai 3, ça rend pas très bien Dovahkiin et l'intro de Super Smash Bros. Brawl a beaucoup mieux marché. Simplement parce que c'est pas du japonais et du coup faut ça, on comprend mieux. Enfin voilà, c'était juste une petite intro pour vous dire ça, mais de toute façon vous inquiétez pas, il y a une grosse vidéo explicative, vraiment détail, que ça sera vraiment détaillé, d'ailleurs peut-être que je l'appellerai d'un autre nom, vu que ça sera vraiment une grosse mise au point pour vous expliquer tout ce changement de série. Je sais que des fois je produis plus de vidéos qu'à d'autres moments, mais là n'est pas la question, je vais vous laisser tout de suite au top. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. Donc voilà, donc je vous dis bonne vidéo, et n'oubliez pas le pouce bleu pour le premier épisode de cette série. En 10e position de mes intros TBZ préférés, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué étant jeune. C'est un jeu Dragon Ball Z sorti sur PS2, peut-être l'avez-vous reconnu avec ce peu d'images. En fait, c'est tout simplement Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, premier du nom. Voilà, donc je vais vous laisser admirer cette magnifique intro de ce jeu. On se retrouve après pour la 9e. En 9e position de mon classement, c'est tout simplement l'après-suite du précédent, c'est-à-dire qu'on reste dans la même licence. Donc vous l'aurez compris, c'est l'intro du magnifique et merveilleux et ultimate, le meilleur jeu Dragon Ball Z jamais fait, c'est-à-dire Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 ou Sparking Meteor, comme vous préférez. Mais en nom français, Budokai Tenkaichi 3. Je vous laisse admirer. En 8e position, donc de mes intros préférés sur Dragon Ball Z, c'est tout simplement le deuxième jeu PlayStation 3 Dragon Ball Z sorti, du coup en France, en monde. Donc vous l'aurez compris, il s'agit tout simplement de l'intro du jeu Dragon Ball Z Ragin Blast. Je vous laisse admirer. En 7e position, c'est l'intro d'un jeu qui a marqué mon enfance, qui est certainement, le 3e jeu Dragon Ball Z auquel j'ai le plus joué. Mais vraiment, après Budokai 3 et Tenkaichi 3. Mais celui-là, il est mythique. C'est le premier de la série qu'on va voir, mais il est juste génial et son intro est magnifique. Je vous laisse admirer. C'est le 7e. I'm gonna go to the hospital.
Le sixième jeu Dragon Ball Z auquel on va parler, donc son intro, est un jeu qui est sorti sur PlayStation 3, donc le tout premier, et c'est au final un jeu auquel j'ai pas vraiment joué, pas tant que ça, juste entre amis comme ça, mais c'est vraiment pas un de mes préférés, mais son intro, elle passe quand même. Je vous laisse voir ça. Le sixième jeu est pour moi le deuxième meilleur jeu sorti en 2D Dragon Ball Z sur PlayStation 2. C'est-à-dire, oui, vous l'aurez compris, Dragon Ball Z Infinite World. C'est parti pour l'intro. Elle est géniale, vous verrez. En quatrième position, ça a été pour moi très dur de départager le quatrième et le troisième, tout simplement parce que ce sont deux intros que j'adore énormément, mais vraiment au même niveau. Ce qui les a départagés, c'est qu'il y en a une que j'ai écoutée tellement que forcément je m'en suis un petit peu lassé. J'adore le jeu de cette intro-là, tout simplement parce que c'est le seul jeu Dragon Ball Z où vos personnages ont des niveaux. Voilà, je vais arrêter de blablater et je vous laisse avec l'intro. Bonne vidéo. On entre maintenant dans le top 3. À partir de maintenant, ça va vraiment envoyer du lourd. C'est parti! En troisième position, ce n'est pas un jeu comme les autres. Ce n'est pas un jeu Dragon Ball Z, mais c'est un jeu vraiment axé sur l'univers de Dragon Ball. Vous l'aurez compris, il s'agit de Dragon Ball The Revenge of the King Piccolo. C'est parti! En deuxième position, c'est tout simplement le meilleur jeu Dragon Ball sur PS2 en 2D. C'est le jeu qui a marqué les esprits. C'est le jeu Dragon Ball le plus connu avec Tenkaichi 3. C'est un jeu que j'ai déjà traité dans une de mes vidéos. Vous l'aurez compris, il s'agit évidemment de Dragon Ball Z Budokai 3. Je vous laisse apprécier ce merveilleux, majestueux, magnifique générique. En première position, le jeu qui pour moi, dans tous les jeux DBZ y compris, a la meilleure intro, avec la meilleure musique et les meilleures images, c'est tout simplement celui-là. C'est un jeu sorti sur PlayStation 3, et même le jeu, c'est celui qui se rapporte le plus de Budokai Tenkaichi 3. Autrement dit,
Dans tous les jeux DBZ sortis, c'est le deuxième plus apprécié. Je ne vais même pas vous dire quel c'est, vous allez découvrir par vous-même en voyant cette intro épique. Get your mind. Don't wanna see that. Wake up.